mon parcours. Moi, je suis né dans une famille de patriotes. Je suis né heureux d'avoir vécu au milieu de ma famille de patriotes. Mes frères ont fait la prison dès 1945. Nous étions 4 hommes dans la famille. Moi, en 1945, j'avais 11 ans. Mes trois frères ont été arrêtés. واحد بعثوه للمبيس الاخر بعثوه ليه الاخرين بعثوه له طورا طردت كلي ما رياكسيون جيتي الفي دون سا جيتي اونفا نو سي حتى حنا رانا نضنا il faut pas oublier qu'en 54 le Vietnam venait d'être libéré Tunis et Maroc تحركوا Ouahna, notre parti le plus radical, les centralistes et les messalistes. Une poignée de patriotes merveilleux décident du déclenchement de la lutte armée. Tout de suite, le peuple s'est mis à l'écoute. Ma gouch, Nadoke, Rajloa, sont mis à l'écoute. À l'écoute. Abd al-Daif, l'écoute n'a fait Caterpillar. Qu'est-ce que je peux dire après ce déclenchement? Comme tous les Algériens, enfin, nous aussi, on va rentrer dans la danse. Et. On est rentré dans la danse. Le résultat de ma famille. Mon frère a disparu. De ma famille, j'ai dit le résultat de ma famille, pas du peuple algérien, de la lutte. Mon frère a disparu, les deux autres, Kharjoum el-Habs. Ma nièce Zohor Zerari, poète, journaliste, Kifkoum. Elle a fait un poème qui me marque jusqu'à aujourd'hui. Qu'importe mon retour si mon père n'est pas sur le quai de la gare. C'est merveilleux, mais ça c'est valable pour toute la révolution.